Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi au Chant du Coq, ici même Bassin-Labou, parce que tu viens d'entendre un coq vient de chanter, et ça c'est de bons présages ici, parce que là cet après-midi, là, nous on a des invités, oui, nous on a des invités qui viennent de très loin, enfin mais elle ne vient pas trop loin, hein, Julie, comment elle est, hein? Coucou, ben ça va super, ça hein. Va. Bon moi je suis, oui, invitée au matière, co-assistante. Co-assistante, voilà. Hein, co-assistante, Julie. C'est hein. Ça. Alors et... Julie, dis-moi, oui. Cet après-midi dans l'émission Artiste de la Semaine, on a qui ça comme ça? Eh bien, dans cette émission hein, d'Artiste de la Semaine, nous avons avec nous aujourd'hui Cindy et Yann. Donc, bienvenue à vous, Kevin. Kevin! Pardon. Donc, nous avons Cindy et Kevin qui sont aujourd'hui avec nous. Donc, bienvenue à vous. Merci. Merci, merci. Et Kevin, merci. Autres sortes, moins autres, sortes, tous à autres. Vincent Do, oh là là, là-bas. Ça l'a fait de la route. Hein. Alors, oui. Vincent Do, excuse-moi, mais c'est le paradis bondier là-bas, non? Bon, on peut dire ça comme ça. Pour parce moi, bon Dieu, pas à tout l'île. Parce que exactement. Saint-Joseph, où ça l'est né, papa bon Dieu? Alors là, où Saint-Joseph, ça va être Saint-Joseph, hein, Saint-Joseph, papa bon Dieu. Oui, la chanson. Qui chante ça? Qui chante ça, hein? Ça, c'est... Ça, t'es avec son violon bleu. Enfin, pas violon Fred bleu. Là. Non, pas Fred Espel. Hein. Mais t'as l'air, moi, c'est Marconnette, t'as l'air. Voilà. Attendez, écoutez, pour dire le papa bon Dieu, mais l'ami réfléchit. Le papa de Jésus-Christ, Joseph et la maman Marie. Oui, l'ami ouais, fait, d'accord. Ouais, l'ami, voilà, okay, l'arrivée un petit peu tard, mais l'arrivée quand même. Hein. M'avait pas capté, Cindy, tu vois. Nous, on a Cindy aussi avec nous. Cindy, comment ça va? Ça va. Ça va bien, Cindy. Alors, Cindy. Oula, arrivé très tard dans la musique, puisque nous ne connaissons Kevin depuis pas mal de temps. Ouais, Kevin et nous l'a vu à Oula ces derniers temps dans notre premier morceau ensemble. Et ouais. Même ce premier morceau ensemble, où c'est aussi le premier morceau que nous l'a vu. Oui, c'est mon premier morceau. Moi. Où tu chantes aussi avant? Comme on dit, dans salle de bain. Ah, dans salle de bain. Ma fille, tout le monde existe dans cet endroit-là, hein, la, salle, bon, de la bain. Salle de bain. Alors, voilà. Kevin, comment peux-tu aller dans la salle de bain? Ben, Mathieu est dans la salle de bain, tout simplement. Quelle question, mon Dieu. Ben oui, t'es genre dans son salle de bain. Il fallait pas... bien que Kevin, tu ailles dans la salle de bain, non? Ah, Seigneur. Seigneur, fais pas quoi ça, moi, non. Ah, non, surtout pas, rentre non, pas dans son franchement, jeu. Dis pas tout, dis pas franchement, tout. Kevin, faut dire, Julie, faut dire que Banal oui. Est en couple, là. Bien sûr, ils en coupe, donc ils ont tous les droits. Depuis mais bon. Pas mal de temps de cela. On parle de musique, là, si vous voulez. Nous parlons de musique, oui. Tout à fait. Oui, depuis deux ans déjà. Depuis deux ans. Depuis voilà. Deux ans. Oh oui, Mico les affaires, moi. Ben, ah, Mico n'est plus que non, moi. Non, mais Mico est Kevin depuis longtemps, moi. Hein. Et Kevin, hein, nous l'avions chanté avant, bien sûr, en avec solo. Avec David Buzyn, qui était ouais. Un petit peu de mentor. On va dire. Hein. Un petit peu, oui, maintenant, il travaille avec Sanji. Avec Sanji, hein. Sanji est devenu un petit peu de mentor aussi. Mais Sanji, David, ça, c'est des grands camarades, ça. Oui, hein. Non, mais il n'y a pas de jalousie. Quoi que la prochaine fois, tu aimes aussi la jalousie, peut-être. C'est... Mais Kevin, toutes les chansons que tu as faites depuis maintenant, ce sont des chansons d'amour. Non, ça, non, pas que, non, pas que. Non, pas que. Non. En fait, c'est des chansons de remerciement. Oui, remerciement et aussi sur mon handicap aussi que m'a que fait tu as, bien un sûr. Morceau. C'est mon premier morceau que m'a fait. Le morceau, il appelle « M'y veut chanter » ou « M'y raconte un petit peu voilà, ». Ben... Ça, c'était le premier avec David Luizin, ça. Hein voilà, c'est ça. Voilà. Après, il m'a fait mon album en 2016 ouais. Avec un grand camarade aussi, il a ramené Cabri. Ben, lui était en institut d'éducation motrice. Enfin, lui, il est toujours en institut d'éducation motrice. Oui. Ben, lui, il est chauffeur là-bas. Donc, du coup, ben, lui, il est dans la musique aussi. Ben, du coup, lui, il a donné un petit coup de main pour réaliser mon album. Avec, ben, avec son matériel. Et puis, ben, il m'a fait plein de chansons là-dessus. Mais des chansons que ne m'a pas poussé. Donc, de mon côté, pas. Ah ouais. Il y a encore plein de morceaux que de mon côté, pas. Que d'ailleurs. Que de... on va découvrir voilà. Peut-être. Ouais. Et après, les gens l'ont connu un petit peu quand on a fait le morceau avec David Luizin. Oui. Notre l'amitié. Notre l'amitié. Hein. Mmh. Notre l'amitié. Un morceau, ouais. Un morceau avec David Luizin que Kevin, il tenait absolument à faire pour remercier David de tout ce que David avait oui, parce fait. Que... Et c'est une belle chanson. Oui. Merci, merci. En fait, c'était juste pour, ben, pour remercier Ali parce que, en fin de compte, quand un monnier d'Aoula, oui. Ben, on doit montrer Ali un peu reconnaissance oui. Aussi. Et c'est un, pour moi, c'est un monsieur, un grand monsieur de la musique ici à La Réunion. Donc, du coup, c'était un honneur aussi pour moi de partager. Moi, j'étais un peu stressé aussi de partager ce genre de duo avec un chanteur pareil. Pour moi, c'est un grand, grand chanteur. Donc, du coup, ben voilà. Voilà, et voilà, voilà. Et maintenant, après, ben, ma rencontre à elle. Ouais. Et on a deux ans, on rencontre à elle. Hein. On a deux ans, ma oui. Rencontre à elle. Mais. En fin de compte, à un moment donné, m'a été occupé. Mm-hmm. Elle était en train de chanter dans son coin. Ouais. La salle de bain. C'est pas dans la salle de bain, attention. La cuisine. La cuisine. La cuisine. La cuisine, alors. Oui, quand c'est pas la salle de bain, c'est la cuisine. Donc là, m'a entendu elle. Fredonner. Fredonner, comme ça. Pas mal. Pas mal. Alors, on l'a connue, lui.
Vous ne te connais pas si tu es gay chanté. Mais là aussi, là, Kevin, qu'on compte une jeune femme, une jeune fille comme ça, là. Mais c'est le béaba. Il faut demander à lui. Est-ce que les gays chanté? Non, mais on ne l'a pas demandé. Il n'y a pas de manaouk, Cindy. Non. Il n'y a pas de malheur du tout. Il n'y a pas de malheur de tout ça. Mais où t'es connu, elle était chanteur un petit peu. Oui. Ah, où t'es connu. Oui, elle était connue. Et où la cache ça. Elle a cache son talent, tout simplement. Ouais, voilà. Ouais, tu as bien fait. Et après, Kevin, comment l'arrivée? Ben, en fait, nos affaires. Ben, en fait, quand après-midi, ben, un de ces jours, pourquoi pas faire un petit affaire si vous êtes d'accord, parce que vous ne voulez pas non plus forcer. Brusquer, elle, bien sûr. Et. Après-midi, ben, on est dans le potentiel. Allons essayer de faire un petit truc. Après, du coup, ben, ma téléphone, Johan. Ouais. Mais il dit, ben voilà, il aimerait. Johan de Sonji. Parce que quand on dit Johan, des fois, les gens ne connaissent pas Sonji. Sonji, ma téléphone allait. Et puis, ben, on commence à composer la case. Et ben voilà, le morceau, la nuit comme ça. Deux, trois petits accords. Et voilà, ah là là. Et là, les affaires, elle est née. Ah là là, les affaires. Un petit coucou à toute une bonne petite maman qui regarde à nous. Voilà, avec parce les premiers mots créoles. C'est une citation des filles. Donc, gros bisous à Avatia et Shriani. Voilà, gros bisous à vous. Donc, c'est comme ça que l'arrivée, les affaires. Enfin, les affaires, la chanson. Mais pas péjoratif, les affaires. Non, ah là là, les affaires. Et surtout, c'est très beau parce que là, c'est une chanson qui parle de votre amour, de votre union, de ta reconnaissance envers Cindy. Et de votre relation. Et de leur relation, et parce de la que relation. C'est un tout. La relation Cindy, aussi, elle est là pour tout. Tu comprends, c'est complet, c'est total. Et à travers sa chanson, bah, on comprend très bien. Après, mais essaye toujours de faire en sorte que bah, les gens ils retrouvent les autres dans l'histoire. En fin de compte. Comme ça, en fin de compte, il ne faut pas oublier, nous les chanteurs, mais si le monde n'y aime pas ça que nous écrit, il sert pas trop grand chose en fait. Après moi je vais te dire, c'est une vision des choses, chacun a le droit d'exprimer un peu son avis ou de donner un petit peu son ressenti par rapport à la chanson, mais quand on écoute une chanson comme ça, c'est sûr que on n'est pas indifférent. D'accord. C'est sûr que ça va nous toucher. D'accord. Donc alors, voilà. Julie, s'ouvre bien là, mais ça voit un petit coup Cindy, pour que Cindy explique à nous un petit peu comment elle a démarré cette chanson là, qui était à l'auteur, à l'origine de cette chanson là, qui ça la commence fredonner le morceau. Mais en fait, c'est que il voulait une chanson qui parlait de nos relations à nous, parce qu'on a eu beaucoup de soucis, la personne il voulait mettre le tout dans notre relation. D'accord. Et il a voulu mettre tout ça dans la même chanson en fait, et après ben c'est lui là écrit tout ça là. Ouais. Et t'es d'accord à chaque fois que Kevin écrit quelque chose? Ou bien sinon on l'a corrigé un petit peu, dire non, mais il veut pas ça, mais il veut un autre truc, mais il veut changer quelques mots. Hein? Non, mais Kevin, il rit. Non. Il écrit sans affaire. Ah, oui, ça. Elle est là. Moi, il donne des idées, après, c'est lui qui écrit comme. C'est lui qui écrit. Voilà. C'est toujours la femme qui influence quand même. En fin de compte, Nebim t'écrit pas du tout, moi. C'est ça le. C'est vrai? Mais non, mais t'écris pas du tout. D'accord. Et après, c'est à force de, ben, d'essayer. Et après, les gens, ben, ils regardent un petit peu ce que moi, m'y écris. Ouais. Ils disent, ah, ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Ouais. Ben, du coup, à force, vous prendre la graine. Tout à fait. Et je pense que Cindy aussi, ça a été ta muse. Elle a été amusée, elle t'a inspirée. Oui, voilà. Tu parles de muse, toi. Mais bien sûr, il parle de muse. Si je vous l'ai dit ça, parle de muse. Nous, depuis au Moyen-Âge. Mais c'est même pas le Moyen-Âge, c'est les temps modernes, c'est même le contemporain. La muse a toujours été, et sera toujours. Ouais, ça soit dans la poésie ou la musique. Voilà. Banero trappe la même, égaye pas, t'es là. Trappé, alors faut trapper même. Parce que le morceau que vous allez chanter ensemble, il appelle comment? Main dans la main. Où l'a vu ça? Et ce que m'y fait là, c'est que ça trappe mon guitare, moi. Je pensais que j'allais prendre ma main. Non, la manche de la guitare. Trappe sa main, toi. Trappe sa main. Sinon, m'apprends la manche de la guitare. Parce que la manche de la guitare aussi, c'est main dans la main. Enfin, c'est le prolongement de ma main. Voilà, nous allons prendre main dans la main. Et la manche de ma guitare. Très bien. Exactement. Et après, moi, mais ça, il fait le morceau avec Zot. Alors, le morceau, est un petit peu compliqué parce que c'est David Luiza, et vous connaissez. Johan aussi, pareil. Sonji. Bonne morceau. Là, elle est quand même les rapides. Les notes, ils changent vite. Oui. M'y essaye. Les bons? Nous les lapomiser. Allons, c'est parti. Ça va? Bien sûr. Allez, c'est parti. Après, nous reviendrons dans un petit instant. M'y rappelle encore. Moi t'es pour pleurer tous les soirs, mi t'es gay puis sommeil, mi tourne mi vire, ah ou même mi voulait,
Ils ont dit, nous lavons notre foyer. Personne va mettre à nous dans le doux. Mon amour y grandit de jour en jour. L'amour, notre l'amour, la main dans la main, la main dans la main, n'a la force pour avancer. Jamais laisse à moi tomber. Et bien nous revoilà ici, Bassin Labou, toujours chez Canal Austral, bien entendu, dans l'émission L'Artiste de la Artiste de la Semaine. Et cette semaine, l'Artiste de la Semaine porte un S, est au pluriel parce que nous n'avons deux. Oui, nous avons Cindy et Kevin avec nous aujourd'hui. Voilà, et main dans la main, vous l'avez vu. Hein? Main dans la main, toujours. Elle n'a pas la guerre. En tout cas, les gars, vous habitez à Saint-Joseph, mais rappelle une fois, on l'a pas chez vous. Oui, on était dans l'émission L'Artiste de la Semaine aussi. Oui, une année de ça, à peu près un petit peu plus d'une année. Pas encore un an. Oui. Et c'est là, nous a présenté le morceau, nous, de l'amitié. Voilà, de l'amitié. Après, nous, la nuit, pour l'émission de cuisine aussi. Oui. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, on a nous présenté le petit clip. Ta chanson. Voilà. Le petit clip que nous verra tout à l'heure à la fin de l'émission. Il ne faut pas oublier, mais il insiste là-dessus, c'est la première chanson de Cindy. Mais en tout cas, non. Oui, est-ce que nous avons encore d'autres chansons comme ça, c'est deux? Ah oui, mais nous aimerions savoir parce qu'en tout cas, ça te forme un très beau duo. Cindy, tu as une très belle voix. Merci. Ça apporte une touche de douceur avec la voix de Kevin, donc c'est vraiment super. Le mariage, il est top. Voilà. Ne parle pas le mariage encore, là, pourquoi décider? Attends. Peut-être que tu viendras bientôt. Musique. Voilà. Non. Mais Kevin, ce que je voulais te demander, et ce que Jean-Claude aussi, je pense, voulait le faire, c'était est-ce que vous avez d'autres projets en commun? Exactement. Ben, en fin de compte, Misa a fait un morceau pour moi-même. Oui. Et elle veut faire un morceau pour son papa. D'accord. Du coup, Misa fait un texte pour elle. Mm-hmm. Pour elle chante elle-même. Pour d'accord. Mettre bien le micro devant Bouchke. Et puis moi, on a déjà un morceau qui est prêt, que tu es déjà prêt, Nana, 2 ans de ça. Oui. Mais en fin de compte, m'a dû arrêter justement parce que ma rente dans le loyer. Et du coup, il y a aussi des petites dépenses. Il y a des choses à payer, donc forcément, on met de la musique de côté. Un peu de la musique de côté. Là, comme Maroni, l'année prochaine, si bon Dieu a pitié, comme on dit, on aura son morceau et les miennes. D'accord. Et à part. Mais bon, alors Kevin, vous les prêts à lancer où dans cet océan qui est la musique réunionnaise, hein? Lance où tout seul? Oui. Oui, oui. Elle est partie alors, avec un premier morceau qui va être en hommage au papa. Oui, pour mon papa. Oui. Déjà écrit ou bien en cours d'écriture? Pourquoi écrit encore? Mais prends mon temps, moi. Prends mon temps. Laisse-moi cela déjà vivre. Il a toujours dit, pour faire un bon marmar, il faut prendre le temps. Toujours. Ouais, et pour faire une bonne chanson aussi, il faut du temps. Voilà, exactement. Tu as tout compris. C'est pas ça. Voilà, il rit de l'autre côté. Là, t'as ri comment il rit de l'autre côté là-bas. Tu as tout compris. Oui, mon macro, pour ma fille, fait des trois comme ça. C'est bien. Mais prends mon temps. Mais voilà, faut prendre encore le temps. C'est bien. C'est pas fini. Alors, donc, des projets encore ensemble, peut-être un album avec des chansons à Aou, des chansons à Cindy, des chansons en duo comme ça ensemble, peut-être, pourquoi pas? L'album, non. Non. L'album, non. Parce que moi, Midia, il ne sait plus trop rien. Ils mettent un croix sur l'album. D'accord. Parce que c'est trop de financement et il n'est pas possible. Ouais. Et après, quand on voit le résultat aussi, il décourage à Aou. Donc, moi, je préfère faire une chanson et un clip.
Oui. Toujours. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Et puis après diffuser sur les réseaux sociaux diffuser. Et bien entendu diffuser sur Canal Austral. Bien sûr. Tout à fait. Mais envoyez toujours pour toujours. Avec 140 000 personnes qui regardent nous tous les jours, et ben, a forcément des gens qui regardent les autres aussi obligatoirement. Oui, ben déjà, hein. Là, le monde donne chemin. Qui vous reconnaissent. Ben, qui vous connaissent à nous déjà. Voilà, donc, voilà. Et cette chanson-là, elle est sortie dans quoi ? Non, même pas un mois. Deux semaines. Wow. En plus, midi, un mois, moins. Ben mais oui, non, ouais, voilà. C'est tout récent et je pense qu'il faut laisser vivre aussi, comme tu l'as dit, la chanson. Oui, parce que Nana un peu, sans critiquer, tu fais ce que tu veux. Mais Nana Zarati, s'il fait de chanson, parle de chanson. Voilà, on n'a pas le temps d'apprécier forcément. On n'a pas le temps, mais moi, même pas comme ça, ma mamie travaille tranquillement. Tu as bien raison. Voilà, on a raison. On a raison, Julie, trop de chansons, tu la chanson. Tout à fait, il faut prendre exactement, son temps, hein, c'est donc il faut aller un après l'autre, et laisser vivre ces morceaux-là pour que le grand public puisse apprécier avant qu'il trouve un autre. Donne à autres petit peu, bah hein, oui. Donne pas autres tout d'un coup. Sinon, mais tu seras gavé. N'a plus de charme. Voilà, c'est le charme de ta chanson, tout à fait. Et puis financièrement aussi, parce que c'est aussi avec la situation Covid-19. Oui. Ben, elle est compliquée aussi retrouver des scènes, etc. pour aller chanter. Donc après, tout ça qu'on paye par rapport au clip, par rapport à la chanson, c'est financièrement aussi. Oui. Donc du coup, ben, il faut attendre. Il faut attendre, d'accord. Il faut apprécier la musique. Mais est-ce que de ton côté, tu peux avoir des soutiens, tu peux avoir des gens qui peuvent te venir en aide, etc. Il fait tout par moi, même au niveau financier. Moi, c'est moi qui fais tout. D'accord. C'est moi qui paye tout. C'est vrai. Mais bon, et peut-être que c'est tout à ton honneur. Peut-être que si quelqu'un nous entend, il peut se manifester et t'appeler pour essayer de te soutenir t'aider d'une manière ou d'une autre. Ce serait vraiment bien. L'aide. Tant mieux. Hein, pour l'instant, mis des meilleurs dans moi tout seul, comme du créole. Voilà. Mais c'est déjà très bien, c'est tout à ton honneur. Exactement. Alors, Cindy, peut-être un petit mot pour que nous puissions finir après cette émission-là. Un petit mot, un petit remerciement peut-être à la famille, non ? Oui, à mon papa. Ou Yem, ce papa. Ah, ben il a bien raison. Oui, mon papa, c'est tout pour moi. Ça. Ah bon, d'accord. Un morceau bientôt pour lui. T'es connu ou bien c'est une surprise ça ? Non. Non, lui connaissait. Ah, lui connaissait. Ce sera une belle surprise en tout cas. Voilà. Juste pour terminer, le 11 octobre, oui. Mais on profite pour faire un peu publicité aussi. Ben, bien sûr. Le 11 octobre, il fait une petite prestation pour. Une brocante avec le 11 octobre à 10h côté le parking de l'église de Vincent Rondeau. D'accord. L'association, on peut dire l'association. Bien sûr. Avec l'association Allons Beaux Ensemble. Voilà. Allons Beaux Enfants. Ouais. Très bien. Voilà. Donc une brocante à Vincent Rondeau. Quel jour ? Le 11 octobre. Le 11 octobre. À partir de 10h pour nous. Nous jouons à 10h. Mais très après, il pense que l'entrée, je crois, elle est à 8h30. D'accord. Après, il faut un masque et tout. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans la situation Covid. Bien mais sûr. Tout le monde, et on se fera un plaisir. On l'a vu que nous l'a enlevé le masque pour les besoins de l'émission, bien entendu. Mais quand on était de l'autre côté, tout le monde avait le masque. Et là, nous avons une distance de sécurité entre Kevin et. Parce que Cindy. Il habite avec. Donc, du coup, il n'a pas de problème. Hein, et puis après, moi ou tous les jours. Donc, c'est pas grave. Aussi, voilà. Nous habite pas avec. Attention. Vous n'habitez pas avec. Elle est en journée. Mais elle est pas grave, bientôt ça deviendra quotidien. Oui. Voilà. Hein voilà, continue. Elle y habite juste en bas de moi. Écoute, c'est comme si c'était tout à côté. Travers chemin. Traverse pas, il monte. Il monte chemin. Mais après, il ne gagne plus trop descendre seulement. Ça y est. Bon, allez, nous retrouvons une prochaine fois parce que. C'était la partie comique de l'émission. Nous l'étions dans l'émission. Voilà. Oui, Richard, tu coupes pas. L'artiste de la semaine avec Cindy, avec Kevin. Kevin, chanteur officiel. Kevin, donc ce fut un plaisir pour moi en tout cas de te rencontrer. Moi aussi. Belle personne pareil, avec Cindy. Vraiment, mais elle est contente de rencontrer des artistes comme ça. Tout le temps, moi, on donne télé comme DJ. Kevin, en tout cas, c'est un plaisir parce que vous avez des artistes qui commencent. Mais en tout cas, ce que ça t'y fait, on t'en met dedans. Oui, mais avec Cindy, je veux dire que tu commences aussi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que tu es dedans. Mais c'est bien et je t'encourage à continuer. Merci. Parce que tu es fort dans tout ce que tu traverses. Tu es fort et je t'encourage à continuer. Et c'est vraiment formidable. Quoi. Merci. Et Cindy, soutiens-lui toujours parce que. Toujours. C'est vraiment super. Quoi. Et ne connais que Kevin, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui est positif parce que regarde son t-shirt, ça l'écrit World Number One. Nobody anymore. Voilà. Pas de mauvais jour. La règle 1, pas de mauvais jour. Aucun mauvais jour. Tout le temps, en mode joie.
et toujours le sourire. Mais voilà, ça, franchement, okay. C'est super, Kevin. Merci. Super. Essaye, en tout cas. Voilà, super. Merci beaucoup. Nous finis là-dessus avec des mots positifs comme ça. Ouais. Hein, avec ce clip aussi, hein, que tout à l'heure, on a fait le live. Là, main dans la main. On aura l'occasion de voir tout de suite ce clip-là, main dans la main. Et puis, Julie nous dit bon art, nous retrouve une semaine prochaine. Mais bien sûr. Mais bon, toujours. Nous reviendrons toujours. Reviens quand tu veux. Nouveauté, mais viens, moi, avec bon, plaisir. Je ne change pas une équipe qui gagne. Jamais. Okay, donc, Kevin et Cindy, nous attendons à Zot pour la prochaine. D'accord ? C'est bon. Voilà. Et, bon, et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine, toujours sur Canal Austral. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bye bye. Bye bye. Notre l'amour.